Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Tu t'es servi de moi. Oh, je t'en prie, Gérald. J'ai saisi ma chance, voilà tout. Si j'avais su que tu en avais après les notes d'Alexander, jamais je ne t'aurais aidé à lever la malédiction sur l'île de Fic. Oui, c'est vrai, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mais je savais que tu t'en tirerais, Gérald. Tu es si fort, si viril. Oh, mon petit Gérald, ne fais pas cette tête-là. Je vais finir par croire que tu m'aimes plus. Je suis sérieux, Kera. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Évidemment, tu me soupçonnes du pire. Pourtant, mes intentions sont aussi pures que les larmes d'une vierge. Je t'assure. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Radovid n'oublie jamais, et il ne connaît pas le pardon, encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches, que ça te plaise ou non. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Oh, tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Gérald, des punaises! Moi, Kera Mess, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises! Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le Pontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Il y a une autre option. Va à Kaer Morhen. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas l'ambert à dos, oui. Émir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien, il faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein? Probablement. Mais avant de partir, je vais avoir besoin de ces notes. Très bien, très bien. Prends-les, ces notes. Au revoir, Gérald. Ou plutôt, à bientôt.